Pour la première fois en Europe, et après 3 années de préparation avec le musée du fer de Nancy et le groupe de recherche La métallurgie traditionnelle, ces 4 maîtres japonais, en habit traditionnel, se sont déplacés pour nous révéler comment se crée, non pas la dernière trouvaille en matière d'électronique, mais ce qui est considéré comme le plus beau fleuron de l'art japonais, le sabre du Japon, ou Nipponto,